Allô? Tout va bien? Ouais, la guitare est de sortie. C'est exactement ça, c'est vraiment la guirlande de Noël. Et puis j'ai le clavier de ma mamie. Très présentement, est-ce que je vais pouvoir le montrer? Juste ici. Bon, on va mal le voir, mais voilà. Et il est pas mal. Et je pense qu'il y a un petit. Il va falloir vraiment que je coupe le micro quand je le joue parce que il y a trois sources différentes pour ce clavier. C'est n'importe quoi. Et ben, c'est parti pour un autre morceau. Un petit côté. j'imagine. Et ben, c'est parti.
Son qui va faire un bruit de ouf. Non, ça va. Ça y est, on descend. Désolé pour les oreilles, il était hyper fort. C'est ce minuscule petit clavier là. Bref, il était pas censé faire autant de bruit à son allumage. Alors, tu as le temps et l'envie de répondre à cette question. Comment a pris ton parcours d'apprentissage de la musique? Ah, le petit chat. Alors, on va couper ce petit son-là. Alors, du coup, mon parcours musical, c'est de la pure autodidacte, pour le coup. J'ai commencé la musique au lycée, un truc comme ça, avec la batterie. Et après, j'ai fait. En fait, j'ai rejoint un groupe d'improvisation de guitare. On était deux, on faisait de l'improvisation en chant et en guitare. Donc, on improvisait les paroles et la guitare en même temps. C'était le bazar.
J'ai longtemps fait ça. Ensuite, j'ai monté quelques groupes entre grunge, punk, trip-hop. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense quand j'ai eu 21 ans, j'ai commencé à produire de la musique dans ma chambre. depuis, j'ai pas arrêté. En fait, j'ai sorti le premier album en Creative Commons, je crois que c'était une des licences les moins libres. J'ai sorti un album par an jusque en 2013, où là j'ai commencé à produire beaucoup de musique et à faire des collaborations avec des gens. Pour le coup, concrètement, je sais pas lire la musique, mais j'ai un bon feeling avec la guitare et des petites mélodies qui me trottent dans la tête constamment. Ouais, du coup, je sais à peu près comment les appliquer. Sur une guitare. Normalement, le son devrait être mieux. Le clavier va être moins fort. Je vais juste faire un petit test. Thank you.
Alors. Merci beaucoup. Donc, vraiment pas de cours. Pas... Non, pas de conservatoire. Oh, je te remercie. Ouais, j'ai pas branché de micro là pour gueuler dans le garage malheureusement. Ce sera peut-être à la prochaine parce que là j'essaye un nouveau setup là avec le synthé et tout. Et ça a l'air pas mal, mais il faut encore que je gère un petit peu comment ça se passe sur la table de mixage. C'est comme ça je pourrais aussi chanter et gueuler de la merde. Et je trouve que c'est quand même rigolo de gueuler de la merde en improvisant. Merci en tout cas. Et oui, pour le coup, ouais, j'invente tout sur le moment là. C'est un peu tout est improvisé là tout de suite maintenant. C'est la magie du direct. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Alors, ce que j'ai sorti là tout à l'heure, ça, c'est ce qu'on appelle un hibo. C'est un archet électrique. Donc, du coup, en fait, c'est deux aimants qui viennent faire vibrer la corde. C'est assez cool comme instrument parce que ça permet du coup d'avoir de créer facilement des nappes et ça c'est pratique. Et effectivement le synthé je pense qu'il est un peu fort mais j'ai vraiment du mal à le régler pour l'instant. C'est un des premiers. J'aurais du mal à baisser le volume du synthé sans baisser le reste et c'est un peu chiant. Ou c'est pénible pardon plutôt. Donc je vais baisser plutôt le synthé comme ça. Je vais le baisser encore. Au pire, je le montrais directement sur l'instrument. Eh ben, merci pour ton retour. Et t'inquiète, hein, commentaires constructifs et non constructifs sont toujours les bienvenus. Voilà, du moment que tout ça vous plaît bien, moi ça me fait plaisir. Ah, on va éteindre ça. Pour un meilleur son. Eh ben, c'est reparti. Thank you.
J'ai un petit buzz, je sais pas trop d'où il vient au final, mais il s'accumule au fur et à mesure quand je fais des boucles. C'est un peu pénible. Mais je sais pas trop d'où il sort. Ça a pas l'air d'être une des pédales, mais il y a tellement de câbles là qui traînent que je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu abîmés. Puis j'ai beaucoup de matériel électronique. Ça doit faire des interférences. Bref, c'est reparti pour un moment de top délire. Thank you.
Yes, c'était le morceau Surf Rock, c'était rigolo. Quand même, ça manque d'un micro là. Donc, je vais préparer un morceau qui va essayer de tourner facilement en boucle. Et pendant cette boucle, je pourrais aller pisser et installer le micro pour le chant. Comme ça, il y aura les effets sur la voix et tout, et ça sera enregistré dans Reaper qui continue d'enregistrer. Je vérifie toujours. Oui, il enregistre toujours. C'est très très bien. Très très bien. Et ben, c'est parti pour la boucle. La boucle longue. Thank you.
La 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 Yes! Ça marche! Ah! J'ai réussi! Le micro! Le micro! Oh. Ah, ça y est, très bien. Ça, c'est parfait. C'est trop cool, ça fonctionne. Hop, juste un petit test de ça. On va enregistrer ça. Ah, ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir faire un clap. Yes. Trop bien. Trop bien, trop bien. Donc ça fait 1h12 qu'on enregistre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais pouvoir chanter. Et ça sera enregistré. Mais d'abord, je vais mettre mes chaussons. Donc c'est la folie, parce que du coup, il y a un synthé ici, un synthé ici, la guitare et le chant. Et j'ai jamais eu autant de trucs branchés pour un live. Autant dire que aujourd'hui, les grands moyens sont sortis. Ok, c'est parti. Ok. Thank you.
aussi longtemps. Ce qu'il me faut vraiment, c'est la retraite à 20 ans. Vive la grève. Et coucou Ray. Je t'ai même pas dit bonjour, je suis vraiment ingrat quoi. Et Yue d'ailleurs, je ne vais même pas dire au revoir aussi. Quelle ingratitude incroyable. Allez, on va y retourner. Hop, 8h20. On va continuer dans la foulée. Oh, je vais essayer de faire un drone ou on continue de chanter. Allez, on va continuer de chanter. On va faire un morceau que je fais souvent.
Regardez dans la même direction. Vous êtes bello, vous êtes bello. Sous vos capuchons et vos foulards, jetez les pavés sur l'appartement, sur le CDI, sur l'emploi sur 20 ans, sur les deux enfants, sur le chien, sur les facteurs. Les gros pavés sur des encasqués. Vous êtes bello, vous êtes bello, vous êtes bello, vous êtes bello. Dans la même direction, vous êtes bello, vous êtes bello. Sous vos capuchons et vos foulards, vous jetez les pavés sur l'appartement, sur le CDI, sur tout ce qui va pas, sur tous les trucs de merde, sur tout ce qu'on n'a pas, sur cette vie de merde, sur les encasqués, sur ces politiciens crevés. Vous êtes bello, vous êtes bello, vous êtes bello, vous êtes bello. Vous êtes bello, vous êtes bello, vous êtes bello, vous êtes bello. Vous êtes bello. Ok, ok. C'est peut-être mieux comme ça, hein, ouais. Ok, c'est plus les mêmes notes que ce que je faisais d'habitude. Enfin, le gros clavier et le petit clavier, ils sont pas accordés de la même manière. Enfin, ils ont pas le même la. Et du coup, c'est un peu bizarre de retrouver un morceau. Et là, je l'ai pas retrouvé. C'était un test, et puis la guitare est vachement forte en fait. Du coup, comparé au reste. Et notamment, comme ça. En attendant, on va essayer de faire un petit drone. Il faut que j'aille pisser quand même. Donc, il va falloir faire un petit drone. Voilà, pour tester sur la durée. C'est parti.
tard encore. Coucou Esteban, ça fait plaisir de te voir par ici. Ok, bon bah j'espère que le micro ici sonne plutôt bien. Voilà. de toute façon, je sais pas trop ce que ça donne, je verrai bien à l'enregistrement. J'espère que ça rend bien, parce que c'était plutôt cool. On va se lancer encore dans un petit peu d'impro. Eh, ça fait quand même 1h40, mais eh, on est bien lancé. C'est parti.
te vois. Je me souviens ton visage. Je m'étais vraiment pas aperçu de tout ça. Il y avait comme un ouragan devant nous. Et pourtant, je me souviens encore de voir tes traits heureux face à ce mur blindé. Je voyais tes yeux peut-être un peu tombés, mais le reste j'ai dû l'imaginer, parce que toi comme moi on était là, toi comme moi à se dissimuler, à s'aimer sans se regarder, à se dissimuler, à s'aimer sans se regarder. Eh ben très bien, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Tout va bien. Ça sature nulle part. On est toutes et tous contents.
Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc un peu plus piquant. Ah coucou Dama, ça fait plaisir. Alors.
Waouh! C'était drôle! Hello, Pulse Sound! Nice to meet you! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'était une balade intéressante. It was a nice distortion-y like balade. So now, what can we do now? Or maybe something more uplifting, I don't know. Let's try that. Thank you.
C'était quelque chose. qu'est-ce qu'on va tenter maintenant? Qu'est-ce qu'on va essayer? Thank you.
Thank you.
Thank you, Peter Sound. I'll check your Twitter. Yeah. And good film. I hope Star Wars will be great, though. I don't know what that. What was that sound? C'était quoi ce bruit, putain? Qui arrive à plusieurs reprises. Je pense que c'est la boucle. Le moment où ça a bouclé, ça a dû faire plaque comme ça. Et je sais pas pourquoi ça fait ce son hyper fort. Honnêtement, c'était trop cool, mais je sais pas d'où ça sort. Et du coup, je préfère cutter avant que ça parte en freestyle. Bon, bah, on va continuer un petit peu, hein. Allez, c'est reparti.
Ok, ça va faire 2h30. Allez, on va continuer encore un petit peu, une petite demi-heure. Voir si on trouve quelques petits trucs encore.
ensemble, ensemble, encore, encore, ensemble. Ce sont les mots du jour, les mots du jour. J'ai encore besoin, et j'ai encore besoin, encore, encore, encore de toi, encore de moi. Si on pouvait échanger corps, encore, est-ce que tu pourrais prendre le lien? J'ai envie de le voir bouger, de le voir s'exprimer autre part qu'en moi. Autre part qu'avec moi. Et si je pouvais disparaître pour que tu puisses enfin, enfin, pour que je puisse enfin, enfin ne plus le voir dans le miroir, que je puisse juste rien voir, que je puisse juste voir ce que je cache, ce que je casse toujours, ce que je cache encore et toujours, encore et toujours. Qu'est-ce que je me cache? Ok, avec ça, ça devrait le faire. Au départ. Thank you.
Pedro. Vous êtes Pedro. Quand vous regardez dans la même direction, vous êtes Pedro. Vous êtes Pedro. Sous vos capuchons et vos foulards, vous écrivez ACAB sur le mur. Et ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire que vous êtes ensemble. Ça veut dire que là, il y a un truc qui va pas. Et bordel de merde, c'est vrai qu'il y a un truc qui va pas dans ce pays de merde. Vous êtes Pedro. Vous êtes Pedro. On va la refaire.
Hello Speedos. Thank you. That loop was not really great, so I might, yes, I think I'll play one more, because this one was like a bit wacky, and I just figure out how to put a bass sound of my keyboard after like 3 hours of live. I'm a bit pissed right now, but I just want to use it more, so I'm going to let's do one more in the same style, like because I'm really tired and I really need some keyboard pad. Yes, so let's go for one more. Thank you.
Waouh. Bon. Eh ben, on va s'arrêter là. Ça fait 3 heures de live. We will end this now because it's been 3 hours I'm on live and I'm fucking tired. And yes, thank you. Thank you a lot for being here. I hope you had a good time. I don't know if it's evening or morning for you. But yes, thank you a lot. Merci tout le monde d'avoir assisté au live. Je suis super fatigué. De bonnes fêtes tout le monde. Happy New Year if I don't see you. And see you next time on live on Twitch. Yes, lot of love to you. Beaucoup d'amour. Ciao, ciao.